L'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète. Des églises des pays dont les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent dans le même culte, ensemble, dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte, les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix du calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchés par l'Évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous sommes l'Église chrétienne Maranatha. Nous commençons maintenant une édition de plus de la programmation en annonçant l'Évangile éternel. Soyez bienvenus à cette programmation qui est faite avec tout le soin spécialement pour vous et pour toute votre famille. Vous savez que le canal de l'Église chrétienne Maranatha sur YouTube est plein de contenus doctrinaires pour tous les âges, et d'autres qui aident les parents dans l'éducation des enfants à propos des questions de quotidiennes. Des heures de louanges sont disponibles, des podcasts et beaucoup plus. Je vous recommande de naviguer dans notre canal et découvrir tant de contenus d'excellente qualité à votre disposition. Et dans la programmation d'aujourd'hui, dans le volet Leçon du Manaïm, ensemble avec le pasteur Daniel Moreira et Serge Souza, qui vont me rejoindre ici d'ici peu, nous allons commencer à traiter d'une nouvelle thématique, le mystère de Dieu. Ce que vous avez besoin de toucher pour vivre le véritable salut en Christ Jésus. Juste après, dans le volet accessibilité, la docteure Juliane Bizera va parler sur l'utilisation du dessin universel pour l'apprentissage et aussi pour l'accessibilité. Dans le volet parfaite louange, la sœur Janine Zumak va enseigner les signes d'otération en commençant par le bémol. Et dans l'étude intermédiaire et adolescent, la professeure Paula Dalla va parler sur le mystère révélé. Nous allons chanter une longue et dans la séquence, vous regardez le volet leçon du Manaïm.
Maintenant, nous commençons le volet leçon du Manaïma. C'est une partie très agréable de faire, surtout avec la compagnie que nous avons ici, des pasteurs Daniel Morel et Sérgio Souza. Moi, je suis là juste pour aider en ce que je peux. Donc, nous allons donner la bienvenue aux pasteurs qui sont présents ici. Daniel, la paix du Seigneur, soit bienvenue. Josias, la paix du Seigneur, la paix du Seigneur à tous. La paix du Seigneur Josias, Daniel et à tous. En vérité, c'est une bénédiction d'être ensemble ici en parlant de la parole, en réaffirmant davantage l'enseignement de l'école publique dominicale de cette semaine. C'est une bénédiction. Et vous qui êtes à la maison, vous participez avec nous. Vous, c'est comme si vous étiez ici dans le studio en nous parlant sur les thématiques bibliques que nous abordons. Nous allons commencer maintenant. Vous pouvez participer de ce programme. Vous voyez un QR code. Vous pouvez pointer l'appareil photo de votre smartphone vers ce code. Vous allez être dirigé vers un message WhatsApp. Vous pouvez nous envoyer votre commentaire à propos de l'importance de la programmation pour vous, ce que vous pensez de la programmation. Vous pouvez même donner des suggestions sur les thématiques qui peuvent être abordées ou un détail que vous pensez. Donc, ce sera un plaisir de recevoir votre participation, votre commentaire. Nous allons maintenant vous montrer un des commentaires. On a reçu cette semaine, est venu de Pedro Santiago de Belo Horizonte, Minas Gerais. Il nous dit, la programmation en annonçant l'évangile éternel est très importante car il enrichit nos vies spirituelles ensemble avec les messages présentiels dans les églises. Donc c'est le message de Pedro Santiago de Belo Horizonte, Minas Gerais. Et nous allons si possible lire ici avec nous. Ce que Pedro Santiago nous dit, c'est très important parce qu'il y a une intégration complète entre le programme et ce qui est vécu dans les cultes présentiels dans nos cultes. En vérité, tout est relié. Il y a une séquence dans l'école publique dominicale, exactement. Donc, cela est donné par la direction du Saint-Esprit qui a le besoin, observez bien, tout ce que nous sommes en train d'apprendre, étudier, soit dans les églises, de l'école publique. Et donc, cette formation est tournée aux besoins de l'Église dans ce temps prophétique. Et principalement, n'est-ce pas exactement, principalement l'aspect prophétique, ce qui nourrit l'âme. L'historique, c'est bien pour l'intellect, mais le prophétique fait bien à l'âme. Amen. Nous allons entrer dans la thématique nouvelle aujourd'hui. Nous allons approfondir cette thématique dans les prochaines éditions du programme. Et la thématique, c'est le mystère de Dieu. Je vais appeler un texte ici qui va diriger cette édition de Leçon du Manaïm. Cet texte se trouve en lettre Romains, chapitre 16, verset 25, nous dit « Or, c'est lui qui est puissant pour vous confirmer selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ selon la révélation du mystère qui depuis le temps éternel était occulté. » Parler du mystère, c'est de parler du gouvernement du Saint-Esprit. Quelle association nous pouvons faire entre ces deux choses? Alors, je vais commencer, Daniel. Afin que l'homme chrétien, de manière spécifique, puisse découvrir ce mystère, il doit aller à Dieu, par Jésus, par la bénédiction, avec l'action du Saint-Esprit. Et quand cela se passe, quand l'homme il se positionne de cette manière pour retrouver, pour découvrir le mystère, naturellement, il est déjà gouverné par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, sa vie, elle ne marche pas selon sa compréhension, sa raison. Mais il y a un gouvernement du Saint-Esprit. C'est cet aspect, cette thématique, ce détail, qui est un mystère, n'est-ce pas, avec la révélation du mystère. Malheureusement, il est oublié par le christianisme, et par le moyen évangélique de manière générale. Parce que depuis l'Église primitive, c'est toujours passé des manifestations pour étouffer
pour occulter les expériences que l'Église a vécues depuis la Pentecôte. Parce qu'à partir de la Pentecôte, le Saint-Esprit a commencé à enseigner, il a passé à transmettre toutes les choses relatives au projet du salut. Et là se trouve le mystère, qui est la révélation, l'opération du Saint-Esprit. Et même Daniel, Joseph a cité dans toutes ces actions contre la foi, contre les expériences, donc les oppositions. Donc un grand exemple qui est mondialement connu, c'est de la réforme religieuse du XVIe siècle, que nous avons étudié dans quelques programmes en arrière. Parce que dans cette époque, ce que vous avez dit du christianisme, il était complètement étouffé, c'est-à-dire il n'avait plus l'action du mystère. Le mystère a été méprisé, oublié. La parole était emprisonnée dans des endroits avec une langue pratiquement morte. Et là est venue l'action de Dieu afin que la parole soit redécouverte. Le mystère soit vécu. Et aujourd'hui, donc même si on a des Bibles partout, on parle de Dieu partout, mais le mystère est encore occulté. Le mystère, il est vécu à partir d'une expérience, comme vous venez de dire, expérience directe avec le Saint-Esprit. Je vais appeler un autre texte, surtout dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 26, pour voir l'association avec l'action du Saint-Esprit. Mais ce consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, c'est lui vous enseignera toutes les choses et vous fera rappeler de tout quand je vous ai dit. Donc, on voit clairement dans ce texte ici, ces paroles sont des paroles de Jésus qui parle sur le Saint-Esprit, qui viendrait dans la séquence du projet de Dieu. Et quelque chose que le Saint-Esprit va enseigner, qui va apporter. Comment nous pouvons approfondir cela? Daniel a parlé de l'historique et du prophétique. Regardez bien, je pourrais même être très connaisseur, enseigner beaucoup de choses. Ça peut avoir une valeur. Mais pour arriver à Dieu, pour découvrir le mystère, on doit entrer dans le prophétique. Et là seulement par l'action du Saint-Esprit, car c'est lui qui enseigne. L'homme, il connaissait la lettre, n'est-ce pas? Les liturgies du culte de l'Ancien Testament. Il avait des normes liturgiques pour ce culte. Mais je rappelle, avec la Pentecôte, le versement du Saint-Esprit, le changement était complet. Ce n'était plus la liturgie de l'Ancien Testament. Tout maintenant est tourné vers le salut, l'éternité. L'Esprit de Jésus, qui est le Saint-Esprit, préfiguré dans le versement de son sang, dans la vie que Jésus a versée, est et continue à l'être l'élément fondamental qui a soutenu l'Église pendant toutes ces années et la maintient jusqu'à aujourd'hui. Parce que sans le Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme, il a dû introduire de la philosophie et de la théologie. Mais comme cela vient de la raison de l'homme, donc cela ne touche pas le mystère. Le mystère, ce n'est pas la révélation du Saint-Esprit. Si nous devrions donc définir un concept, et je vais laisser cette question pour la poser plus après. Donc, si nous devrions définir un mystère, c'est quoi? Mystère, c'est ce qui est occulté. Et le texte nous parle, le Saint-Esprit va enseigner ce qui était occulté. Donc, si nous puissions définir le mystère, donc nous pouvons résumer que le mystère, c'est ce que Dieu a pour l'homme, mais qui est accédé par révélation du Saint-Esprit. Oui, sans doute. Parce qu'il y a le texte de la parole qui dit que le mystère de Dieu est Christ, c'est le Seigneur Jésus. Mais nous ne pouvons pas nous limiter à cela, parce que ça est une phrase. Je peux écrire. On était en train de parler sur cela, n'est-ce pas, Sergio?
Exactement. Nous ne pouvons pas rester seulement dans cela. Pourquoi? Parce que quand on parle de Jésus, en vérité, nous n'avons même pas comment décrire la plénitude, décrire ce qu'est le projet de Dieu pour l'homme à travers Jésus. Donc, seulement le Saint-Esprit pour nous révéler, pour enseigner, pour nous amener à voir tout ce qui concerne ce mystère. Parce que quand on parle de Jésus, c'est tout, n'est-ce pas? Parce que Jésus historique, il n'a pas besoin de mystère, pas besoin de la révélation, de l'opération du Saint-Esprit, c'est de la culture. Mais Jésus glorifié, Jésus ressuscité, cela est un mystère. Et ce mystère, ce Jésus glorifié, ressuscité seulement à travers l'opération du Saint-Esprit. Ce que nous pouvons donner comme exemple, on peut faire référence à l'Ancien Testament. Quand on ouvre la Bible, il y a une division classique, au Nouveau et Ancien Testament. Il y a des personnes qui divisent en trois parties, mais pour être plus facile, quand on va dans la Genèse, juste au dernier livre de l'Ancien Testament, qui est Malachie, quand on ouvre la Bible, on ne voit pas le nom Jésus. Mais Jésus, il est prophétisé dans la Bible entière. Comment, à l'Ancien Testament entier, le nom, il est révélé, n'est-ce pas? Comment nous pouvons découvrir Jésus dans l'Ancien Testament? Parce que son nom n'est pas écrit seulement par révélation du Saint-Esprit. Comme Serge a dit, que l'Ancien Testament, on ne trouve pas écrit le nom Jésus, mais il y a des diverses figures, il y a des divers types qui vont préfigurer prophétiquement et pointer vers le Seigneur Jésus. Et ce mystère ne peut être touché que par révélation du Saint-Esprit. Je vais donner un exemple. Un exemple. Le rocher d'où a coulé l'eau dans le désert pendant la marche d'Israël d'Égypte au Canaan. Le texte dit, Exode 17:6, voici je serai devant toi sur le rocher en Horeb et tu blesseras le rocher et l'eau va sortir d'elle et le peuple va boire. Et Moïse ainsi a fait devant les anciens d'Israël. Ce texte parle d'un peuple qui a été gouverné et dirigé par Dieu dans sa trajectoire. La seule manière d'arriver à Canaan, à terre promise. Au Nouveau Testament, le versement du Saint-Esprit, Dieu a continué à gouverner maintenant le chrétien en Jésus. Mais cela se passe quand l'homme, il est en communion dans le corps. Dans la communion du Saint-Esprit, donc Jésus se révèle dans le corps, de là le besoin de se connaître le mystère. Et cela est lié à une séquence doctrinaire, car c'est un caractère prophétique. Donc, par exemple, ce texte, il blessera le rocher. Quelle est la prophétie? Et là, on va au calvaire. Qu'est-ce qui s'est passé au calvaire? Jésus a été blessé. La lance l'a blessé de son côté. La Bible dit que l'eau est sortie avec du sang. C'est prophétisé. Là, le rocher a été blessé. Lui, il est le rocher. De la même manière que dans le désert, le peuple a bu de l'eau, Jésus est pas seulement l'eau, il est la source d'eau vive. Ils ont bu de l'eau, comme on dit, physique, matérielle, H2O. Mais l'Église aujourd'hui, Jésus est la fontaine des eaux vivantes qui désaltère la soif de l'âme. Gloire à Jésus. Je vais demander un contexte ici pour discuter un peu et conclure cette question de la communion dans le corps, de l'opération du Saint-Esprit dans le corps, qui se trouve en Actes chapitre 2, verset 46, qui dit et persévérant unanime tous les jours dans le temple, dans le partage du pain à la maison, ils mangeaient ensemble avec joie et cœur ouvert. Donc cela parle sur l'expérience de l'Église du corps en vivant l'expérience du mystère, n'est-ce pas? Oui,
Parce que, regardez bien, nous pouvons penser, mais ils étaient dans le temple, ils partageaient le pain, c'est bien, quelle joie, ils partageaient les choses. Il y a cet aspect. Mais par-dessus tout, il y a le prophétique. Pourquoi? Parce que on nous touche le mystère, la révélation. On nous connaît Jésus. Daniel vient de nous dire que en communion, si on est en communion dans le corps, l'Église fidèle, la communion avec le Saint-Esprit, nous ne sommes pas ici en train de faire de la propagande d'une dénomination. Non, nous sommes en train de dire qu'il y a une Église composée par des hommes, des femmes, serviteurs de Dieu, dans tout le monde. Cette Église, elle a le gouvernement du Saint-Esprit et en elle, dans son sein, Jésus est connu et est révélé. Et nous sommes en train d'apporter ici, à la surface, ce qui est enregistré dans la parole. L'Évangile, c'est un mystère. Dieu a des mystères. Donc, c'est ce que José a dit, le mystère qui était occulté. Donc, maintenant, Dieu, il veut montrer à l'homme ces mystères. Le salut est un mystère, oui. L'Église est un mystère, oui, est un mystère. L'enlèvement est un mystère, oui. Les dons spirituels sont des mystères, oui. Le salut est un mystère. Mais l'homme, il peut connaître ces mystères à travers l'opération du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Je vais apporter ici une thématique ici qui n'est pas polémique parce qu'il est biblique. Mais c'est très important pour nous, pour élargir, surtout pour ceux qui nous assistent, et créer la compréhension à propos de la certitude du salut. Nous avons Jésus, en Jésus, le christianisme. Et donc, commence. Et l'évangile qui est le message prêché par Jésus. Et donc, aujourd'hui, dans nos jours, les personnes se divisent en ces deux expressions, christianisme et évangile, et pour affirmer sa décision, sa ligne religieuse, etc. La question que je veux vous poser maintenant, c'est la suivante. Est-ce que l'évangile peut être vécu? Il a besoin du mystère. Pour être vécu sans doute. Car sinon, on reste dans l'histoire, dans la religion, dans l'aspect religieux, dogmatique, dans la lettre, dans les liturgies, mais on n'entre pas dans l'intimité avec Dieu. On n'entre pas dans ceux qui sont les secrets du Saint-Esprit, séparés pour les sauver. Car comment vous pouvez expliquer, n'est-ce pas, que l'homme, ils ne sont pas ici en train de faire une discrimination, un pécheur comme Pierre, qui n'avait aucune culture, aucune éloquence, aucun entraînement pour parler en public, il n'avait pas de ça. Quand Jésus dit qu'il lui donnerait les clés du royaume, cela ne signifie pas que Pierre est un portier du ciel, parce que la porte est Jésus. Les clés du royaume, c'était les messages qu'il allait prêcher, qu'il allait ouvrir la porte du royaume du salut pour ceux qui croient. Donc, et son message était le message plus simple. Jésus est mort, mais il est ressuscité, et la promesse qu'il va revenir. Et ça, c'est un mystère. Donc, l'opération du Saint-Esprit, son opération du Saint-Esprit, il n'a pas de mystère. S'il n'a pas de mystère, il n'a pas l'évangile clair. C'est important de rappeler que ce message prêché par l'apôtre Pierre, dans un scénario où une grande multitude a vu Jésus mourir, a vu la lance, comme tu as dit, est mise sur son côté, le rocher blessé, prophétisé dans l'Ancien Testament, cela a été une preuve claire que ce corps était sans vie. Jésus est mort véritablement parce que la lance a été mise. Il n'a pas eu l'action à ce moment de l'action de soldat. Maintenant, Jésus ressuscite, il a les disciples. Maintenant, Pierre se lève, il prêche et 3 000, 5 000 âmes se convertissent. Il y a un mystère dans cela.
Donc, 8 000 conversions. Donc, qui peut expliquer cela? C'est un mystère. Même pourquoi? Vous avez parlé de Jésus. Jésus ressuscité est mort. Il est vivant. Le Saint-Esprit versé. Jésus, comme un homme, il n'était pas là. Mais le Saint-Esprit était en train d'agir. Donc, les milliers de cœurs qui se sont convertis ont été convaincus par le mystère. Lui, il s'est révélé. Donc, ce n'est pas Pierre qui a converti quelqu'un. Non, c'est l'action du Saint-Esprit qui a révélé à la foule que le message venait de l'éternité. Gloire à Dieu. Vous avez parlé sur Jésus, le mystère, pas Jésus historique. Vous avez très bien mis Jésus historique et culturel. Il suffit de lire ce que Jésus a vécu ici sur la terre, qui a fait. Nous allons lire un texte pour aligner cela, que se trouve en Colossiens chapitre 2, verset 2, qui dit le suivant: afin que leur cœur soit consolé et soit uni en charité et enrichi de la plénitude de l'intelligence pour la connaissance du mystère de Dieu et Christ. Très bien, vous avez mis ici quelques aspects qui sont le mystère du salut. Vous pouvez approfondir davantage, Daniel. Le salut est un mystère, oui. Pourquoi? Car c'est une opération exclusive du Saint-Esprit. Pour cette raison, la manifestation de ce mystère, elle est prophétique. Depuis l'Ancien Testament, ça a été établi la prophétie du salut. Le Nouveau Testament est venu et la Pentecôte, le versement du Saint-Esprit, mais le salut seulement est touché et vécu quand l'homme découvre ce mystère qui était occulté, mais à travers, comme dit le texte, dans le texte de Colossiens, Colossiens 1, 26, nous pouvons lire ici, 1, 26, le mystère qui était occulté depuis tous les siècles et en toutes les générations et qui maintenant a été manifesté à ses saints. Qu'on parle à ses saints, donc on doit comprendre que cette expression saint est séparée. Bien évidemment, n'importe quelle personne peut se retrouver comme s'identifier avec ce mot saint. Une fois que la personne se reconnaît comme pécheur, il vient être justifié par le sang de Jésus et sanctifié par le Saint-Esprit, qui est une action continue de tous les jours. On doit chercher. Et ce qui m'attire l'attention dans ce texte, c'est que cette expression, regardez bien, c'est lui qui a écrit la lettre, c'est Paul, au premier siècle. Mais il dit maintenant. Pourquoi il dit maintenant? Parce qu'il a écrit cela il y a presque 2000 ans. Exactement. Oh, maintenant, ici, c'est le moment du versement du Saint-Esprit. C'était la Pentecôte. Donc, on commence la période appelée de la grâce, où le Saint-Esprit était responsable en représenter le Seigneur Jésus. C'est lui qui représente Jésus dans la terre, ce n'est pas l'homme. C'est lui qui représente le Seigneur Jésus, celui qui est resté dans cette responsabilité, c'est le Saint-Esprit. L'Évangile, ce mystère, donc l'Évangile sans mystère, c'est-à-dire sans la révélation, il peut avoir plusieurs noms, y compris christianisme, religion, mais ce n'est pas l'Évangile qui sauve de Jésus. L'évangile sans le mystère, bien-aimé, il ne fait pas partie de la Trinité qui est composée par Dieu le Père, Dieu le Fils et par Dieu le Saint-Esprit. Amen. Loué soit le Seigneur. Tel comme nous avons dit au début ici, cette thématique qui est le mystère, nous allons encore nous approfondir dans cette thématique. Dans les prochaines éditions de la programmation en annonçant l'Évangile éternel, dans le volet de Son Manaïm, nous allons
approfondir un peu plus cette thématique à propos du mystère. J'aimerais placer ici pour vous une expérience vécue par moi il y a plusieurs années quand j'ai retrouvé un ami évangélique d'une autre dénomination et on s'est retrouvé dans la rue et il m'a fait une question. Il a dit, je suis préoccupé parce que je lis la Bible. La Bible dit que ce n'est pas tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur, entrera dans le royaume des cieux. Maintenant, j'ai des doutes de mon salut. Nous pouvons associer le salut à la découverte du mystère, l'expérience du mystère. Oui, sans doute, sans doute. Même pourquoi le sauver en Jésus. Et là, il a cette attestation intérieure, cette confirmation à travers le Saint-Esprit. Et la Bible dit très clairement, n'est-ce pas, bien-aimé, que c'est lui qui convainc l'homme du péché, de la justice, et ce n'est aucun homme. C'est lui qui convainc l'homme, c'est le Saint-Esprit. Et pour cela, nous allons revenir un peu en arrière. Nous avons utilisé l'expression dans le volet d'aujourd'hui, le gouvernement du Saint-Esprit. Parce que on est convaincu, si on se laisse convaincre, et le Saint-Esprit, il va nous convaincre comment? Quand on ouvre le cœur, Seigneur, tu peux parler, Seigneur, conduis ma vie. Je suis prêt, pas seulement à entendre, mais à entendre et à obéir, à pratiquer et à vivre l'évangile, la parole. Gloire à Jésus. Daniel. Toujours à la fin du volet leçon de Manaïm, on transmet un message pour cette personne qui nous assiste, qui nous voit maintenant et qui a besoin de comprendre quelle est l'application de cela que nous avons parlé dans sa vie. Je m'ai demandé que tu puisses faire cette parole, cette application dans la vie de celui qui nous regarde. Donc, je vais commencer par une question. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut faire? Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner et nous amener à comprendre? Le Saint-Esprit est la figure de la Trinité qui amène l'homme à connaître quoi? Le mystère. Qui est le grand mystère de Dieu? C'est le Seigneur Jésus. Donc le Saint-Esprit, il veut révéler Jésus. Nous ne pouvons nous dévier de cela. Nous ne pouvons penser, bien-aimés, que l'Évangile soit une institution humaine. Nous pouvons faire ce que nous pouvons, ce que nous voulons. Ce que le Saint-Esprit veut, c'est la manifestation du mystère. C'est révéler le mystère, c'est-à-dire le Saint-Esprit veut révéler le Sauveur et le salut en Jésus. Amen. C'est le mystère qui entre, qui opère dans l'intérieur, dans le cœur de l'homme, à travers du sang du Seigneur Jésus, qui est une figure du Saint-Esprit. Quand l'homme a cette bénédiction de Saint-Esprit dans sa vie, il commence à être partie de la famille de Jésus. Il passe à avoir la même génétique spirituelle du Seigneur Jésus. Quelle bénédiction! Très bien. Maintenant, j'aimerais vous rappeler, au début, on a montré un QR code afin que vous puissiez montrer vos commentaires à propos de la formation. Maintenant, il y a un autre QR code, et ce QR code va vous parler de la prochaine, le prochain sujet de la prochaine programmation, le sujet qu'on va aborder, et comment vous pouvez participer en envoyant votre collaboration, votre message, collaboration dans le sens d'un message. Je vais lire ici deux messages qui nous ont été envoyés, Sibelle Dantas de São Paulo, capitale. Il nous dit, le Saint-Esprit est celui qui nous révèle la personne du Seigneur Jésus, nous dirige, nous sanctifie et est un agent d'union entre l'homme et Dieu à travers la communion et par le mystère qui est la foi en Jésus. Participation de Sibelle Dante.
Aussi, Laurent de Souza, d'Aimorès, Minas-Gerais, a dit « La fonction de révéler le mystère est le Saint-Esprit qui a donné début à la Pentecôte. À travers lui, l'homme est capable de connaître Jésus comme Seigneur et Sauveur. » Participation de Laurent de Souza, Morez, Minas-Gerais. Et voici le QR code afin que vous puissiez participer du prochain programme. Donc, pointez l'appareil photo de votre smartphone. Vous allez être redirigé vers un message WhatsApp. Il y a une question. La question est associée au prochain programme. Vous pouvez vous envoyer votre participation. Si possible, nous allons montrer ici dans la prochaine édition de la formation de l'annonce de l'Évangile éternel. Maintenant, je vous dis au revoir, mes pasteurs, dans la paix du Seigneur Jésus. La paix du Seigneur Daniel, Josias, la paix du Seigneur à vous, la paix du Seigneur à tous. Très bien. Maintenant, vous assistez le volet accessibilité avec la présentation de la docteure Juliane Bezerra, qui va continuer l'abordage de l'importance des desseins universels, cette fois-ci appliqués à l'apprentissage et à l'accessibilité. La paix du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, dans le volet accessibilité, nous allons continuer à parler sur le dessein universel pour apprentissage et accessibilité. Regardez bien. Pour cela, nous allons nous rappeler le concept du dessein universel. Donc, il focalise l'enseignement et l'apprentissage accessible à tous, c'est-à-dire, en rappelant un peu, le dessein universel pour l'apprentissage vise donc donner accès à tous au matériel, au projet, matériaux, projets, les études, les présentations de manière accessible, c'est-à-dire que ce soit accessible à tous sans le besoin d'adaptation postérieure. Mais quel est le rapport de ce dessein universel pour l'apprentissage et l'accessibilité? Vous savez, et c'est celle-là la question que j'aimerais vous demander. Quel est le concept d'accessibilité? Quand nous parlons dans ce mot, qu'est-ce qui vient de votre pensée? L'accessibilité, travail d'accessibilité, est-ce que ce qui vient de votre pensée, donc c'est lié aux personnes avec handicap? En vérité, accessibilité est beaucoup plus que cela. Pourquoi? Regardez bien. D'ailleurs, c'est prévu dans la loi brésilienne d'inclusion qui dit possibilité, condition de porter pour utilisation avec sûreté et autonomie. Donc, cela n'est pas lié spécifiquement à la déficience, mais en soi-même à minimiser, à réduire des barrières. Comment ça? Oui, c'est ça. Prévoit l'élimination des barrières. C'est ça le concept d'accessibilité. Parce qu'il y a des barrières, vous savez, afin que certaines personnes puissent accéder des locaux, des espaces, au matériel. Regardez bien ici. Exemple, des environnements internes et externes, accès aux technologies, à l'information, à la communication, l'accès aux matériaux, des palestres, des études, l'accès au transport. Donc l'accessibilité est en vérité ouvrir les portes. Toutes les fois que nous parlons en accessibilité, nous parlons dans l'élimination des barrières. Et l'ouverture des portes, c'est comment? C'est sur une formation, une technologie et une porte fermée, une barrière qui sépare quelqu'un pour accéder à quelque chose. L'accessibilité fait cela. Elle ouvre les portes. Exemple, à travers la fenêtre de traduction, interprétation de langue, de signes, à travers audio description ou l'illustration simple des matériels, diapositifs, représentation avec plus d'images, avec des plans mentaux, cela rend la plus d'accessibilité. Donc, toujours quand nous parlons en ce mot, rappelez-vous, j'ouvre les portes. Accessibilité, c'est ouvrir les portes à quelqu'un. Donc,
La parole du Seigneur lui-même nous dit cela quand elle dit: ils invoqueront à ceux qui n'ont pas cru. Et comment ils croiront à ceux sur qui ils n'ont pas entendu? Et comment ils vont entendre s'il n'y a pas quelqu'un qui prêche? Le travail d'accessibilité de l'Église chrétienne Maranatha a cet objectif: ouvrir les portes afin que tous puissent accéder à la parole du Seigneur. C'est exactement cela. Ouvrir les portes afin que tous. La parole de Dieu nous parle déjà de ça, que le Seigneur est riche à tous, ne fait pas exception à personne. Travail d'accessibilité, ouvrir des portes, afin que tous puissent connaître le salut en Christ Jésus, la paix du Seigneur Jésus. Et dans l'étude d'aujourd'hui, dans le volet Parfaite Louange, c'est la sœur Janaïne. D'ailleurs, le travail de deux professeurs de musique est très bien. Et aujourd'hui, porte sur les signes d'altération, en commençant par le bémol. Vous voulez savoir qu'est-ce que c'est? Prenez votre instrument et nous allons apprendre. La paix du Seigneur à tous nos élèves bien-aimés. Dans l'étude précédente, je vous ai dit qu'aujourd'hui, on allait avoir un enseignement que vous n'avez pas encore entendu parler. Vous vous rappelez? Mais avant, nous allons voir des moments si attendus, nos participations. Ça, c'est la petite bande de l'église Ituiutaba, Minas Gerais. Sarah a 11 ans de l'église de Saint-Joseph, Santa Catarina. Gloire à Dieu. Nous allons apprendre aujourd'hui sur les signes d'altération. Nous allons voir les signes d'altération ou des accidents sont des signes qui servent à modifier la tonalité d'une note sans changer son nom. Il sert à augmenter ou abaisser est la tonalité d'un ton ou d'un demi-ton. Alors, nous avons déjà appris plusieurs louanges avec le jazz. Nous allons nous rappeler. Voici, ça c'est l'armature de clé. Nous appelons armature de clé les jazz et les bémols utilisés dans la musique qui font partie de la tonalité de cette musique. Ce petit coin, c'est l'armature de clé. Quand on a vu la louange Père, ta beauté m'admire, on a vu un jazz sol majeur. Nous avons appris, viens vers le milieu, Maranatha, Jésus bientôt viendra. Il contient deux jazz, ré majeur. Nous avons appris, je nous lampe, l'armature de clé, trois jazz. Fa, Do, Sol, tonalité La majeur. Quand nous avons appris dans l'Express Nous Voyageons et couché sur l'herbe, nous étions dans une tonalité de Mi majeur, Fa, Do, Sol, Ré. Maintenant, nous allons apprendre sur le bémol. Pour les prochaines louanges, donc on va voir le bémol. Bémol est un signe que diminue la tonalité de la note d'un demi-ton. Elle peut être placée avant la note ou dans l'armature de clé où nous identifions la tonalité de la musique, de la louange. Généralement, le bémol
est une touche noire. Regardez le bémol. On sait déjà, n'est-ce pas? C'est un petit B, donc c'est facile. B de bémol. Regardez, il apparaît ici dans l'armature de clé. Ici, on voit la note si bémol. On voit où se trouve le si bémol clavier. Regardez. Si bémol se trouve entre les notes la et si naturel. Et aussi, nous pouvons dire qu'elle est la touche noire, la troisième touche noire du groupe de trois notes noires. Maintenant, nous allons entendre la note si naturel et si bémol dans l'harmonica, dans la mélodica. Nous allons voir. Vous avez entendu comment la tonalité a baissé à nouveau. Si bémol. Aujourd'hui, nous avons appris sur le bémol parce que la prochaine louange est dans la tonalité de Fa majeur. Maintenant, je veux vous inviter à ne pas rater notre rencontre de la prochaine étude. Nous allons avoir une édition spéciale de témoignages, d'expériences, un moment merveilleux dans la présence du Seigneur. Je vais vous attendre. Amen. Jusqu'à là et à tous, la paix du Seigneur Jésus. Est-ce que vous avez découvert quelque chose de très bien, donc une fois, mais que vous ne connaissiez pas? Cela nous rend très heureux, n'est-ce pas? Aujourd'hui, vous allez connaître un mystère merveilleux et la façon comme nous le découvrons. Dans l'étude pour les enfants intermédiaires et adolescents, le professeur Maria Paula Dalla, dans la thématique sanctification, va nous parler sur le mystère révélé. Nous saluons nos enfants bien-aimés, intermédiaires et adolescents, et tous qui nous regardent dans la paix du Seigneur Jésus. La thématique de notre étude porte sur la sanctification. Mais qu'est-ce que c'est la sanctification? C'est d'avoir le cœur pur, c'est avoir la vie dirigée par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons parler sur le mystère révélé. Vous savez qu'est-ce que c'est le mystère? C'est un secret. Seulement le Saint-Esprit peut nous révéler le secret, les mystères de la parole de Dieu. Et quel est le plus grand mystère que le Saint-Esprit nous révèle? Oui, c'est ce que nous allons voir dans l'étude d'aujourd'hui, à travers l'histoire de Philippe et l'entendant. Nous allons lire la parole du Seigneur qui se trouve en Actes, chapitre 8, verset 26. L'ange du Seigneur a parlé à Philippe disant: Lève-toi et va du côté du sud au chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, qui est désert. Oh, comment le Seigneur est merveilleux, n'est-ce pas? Il a parlé à Philippe, un disciple de Jésus, qu'il devrait se lever et aller vers l'adresse. Il a parlé le chemin, il a dit que serait désert. Philippe a obéi.
s'élever et être allé. C'est comme ça que doit être notre cœur. Quand Dieu nous parle, nous obéissons à sa voix. Quand il est arrivé au chemin, soudain, il a eu une charrette qui portait un homme qui était un chef dans le royaume, dans un royaume en Éthiopie. Et cet homme est venu à Jérusalem pour adorer au Seigneur. Il revenait dans ce pays. Alors le Saint-Esprit a dit à Philippe, approche de la charrette. Philippe a couru et s'est approché du char. Et l'homme lisait la parole de Dieu, les Écritures. Même si cet homme il était intelligent, il lisait, mais il ne comprenait rien. C'était un mystère pour lui. Et Philippe lui a posé la question, vous comprenez ce que vous lisez? L'homme lui a répondu, comment je peux comprendre si quelqu'un ne m'enseigne pas? Monte ici et explique à moi la parole de Dieu. Philippe donc est monté dans le char et a parlé donc au monsieur qui est en train de lire le prophète Isaïe qui dit « Il a été opprimé et affligé, mais il n'a pas ouvert sa bouche. Comme un agneau, il a été amené pour être tué, et comme un brebis muet, il n'a pas ouvert sa bouche. » Se trouve en Isaïe, chapitre 53, verset 7. Donc, le majordome a demandé de qui il parle. C'est de lui ou de notre personne? Philippe, rempli du Saint-Esprit, a commencé à expliquer. Donc, cet agneau dont parle, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus. Jésus, il n'a pas ouvert sa bouche pour se plaindre. Il a été tué à notre place afin qu'aujourd'hui, nous puissions avoir le salut. Et ce jour si spécial, le Saint-Esprit a révélé le mystère, le secret qui était occulté à cet homme pour le majordome. Le prophète Isaïe, donc vers 700 ans avant que Jésus soit né, il prophétisait déjà que Jésus est notre sauveur. Et la Bible nous dit que ce majordome a connu Jésus, il a cru en Jésus, il l'a accepté comme son sauveur et a été même baptisé dans les eaux. Et à partir de cette rencontre si merveilleuse avec Dieu, cet homme a eu une nouvelle vie. Et il a connu le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Seigneur Jésus, le seul sauveur. Alléluia. Le majordome alors est revenu en Éthiopie, mais maintenant il avait sa vie transformée par le pouvoir de Dieu. Le monde, il n'allait plus dominer son cœur. Maintenant, il serait guidé par le Saint-Esprit. Nous sommes dans ce monde aussi, mais nous ne sommes pas d'ici. Nous marchons pour habiter avec le Seigneur au ciel. Nous ne serons pas esclaves de ce monde. Nous avons Jésus dans le cœur. Voyez bien ce que Dieu opère dans la vie de ceux qui sont sincères de cœur. L'homme, il n'arrive pas à comprendre le mystère du royaume de Dieu si ce n'était pas révélé par le Saint-Esprit de Dieu. Beaucoup entendent parler de Jésus et pensent que Jésus ne peut rien faire pour sa vie. Et ils sont erronés. Mais si l'homme cherche à Dieu avec foi, il va connaître les secrets, le secret révélé, le mystère. Il va comprendre que Jésus est le seul qui peut donner paix, joie, sûreté. Et ce qui est plus important, nous donner la vie éternelle. Nous allons voir si vous avez appris l'étude d'aujourd'hui. Je vais vous poser une question. Quel est le plus grand mystère de la parole de Dieu? Oui, c'est exactement ça. Jésus, notre Sauveur. Et vous? Vous avez déjà connu ce mystère? Le majordome lisait la parole, mais ne connaissait pas Jésus. Vous pouvez être comme ce monsieur, aller à l'église, lire la Bible, mais vous n'avez pas encore eu une expérience réelle de salut. Aujourd'hui, le Saint-Esprit vous révèle Jésus. C'est lui qui peut pardonner vos péchés, transformer votre vie, délivrer votre pensée des mauvaises pensées et apporter paix dans votre maison. Seulement Jésus peut vous enlever de la mort
et donner la vie éternelle. Ouvrez votre cœur pour connaître les secrets du royaume de Dieu, pour connaître Jésus, le seul sauveur. Laisse le Saint-Esprit diriger, conduire votre vie. Et vous allez avoir des grandes expériences dans la présence du Seigneur. Amen. La paix du Seigneur Jésus. Je veux vous inviter à vivre une expérience merveilleuse. Des dizaines de milliers de personnes l'ont déjà vécu. Je veux vous inviter à utiliser le projet d'assistance spirituelle de l'Église chrétienne Maranatha. C'est une ressource complètement gratuite. Vous devez juste faire un appel qui est gratuit. Vous pouvez appeler toujours quand vous avez besoin pour ce numéro qui apparaît à l'écran 0800 1607 376. C'est un numéro brésilien et on ne va vous demander aucune contribution financière, même pas une offrande. Et vous allez recevoir une prière, une parole de la part du Seigneur Dieu. Si vous souhaitez pointer l'appareil photo de votre smartphone vers ce code qui apparaît à l'écran, et votre smartphone va être redirigé vers cet appel. Appelez maintenant si vous souhaitez. Je vous invite à accéder à nos réseaux sociaux, télécharger les applications de l'Église chrétienne Maranatha et de la radio Manaïm. Entendez des louanges, des messages bibliques 24 heures par jour. Partagez aussi nos contenus. Accédez au canal de l'Église chrétienne Maranatha sur YouTube et ne ratez pas notre programmation. Je veux attirer votre attention vers une spéciale, l'école biblique dominicale, qui est diffusé tous les dimanches à 10h du matin, ponctuellement. Et ainsi, nous arrivons à la fin de cette édition de la formation en annonçant l'Évangile éternel. La semaine prochaine, si le Seigneur ainsi nous permet, nous serons ensemble encore une fois. Maranatha, le Seigneur Jésus vient.